Les élevages en batterie. Mais aussi les élevages en plein air. Et donc les volailles en plein air sont sûrement de meilleure qualité que les élevages celles en batterie, donc c'est pour ça qu'on les paye plus cher à la consommation. Ça fait penser aux élevages intensifs qu'on peut trouver en Union européenne ou en Chine. Et puis des fois aussi, les petits éleveurs qu'on peut trouver dans le coin. Bah, moi je pense, d'après ce qu'on voit un peu partout en France, hein, je parle, là, beaucoup de volailles sont beaucoup, c'est très très industriel en ce moment. Il y a plus de 86% de volailles à batterie. Donc vous savez comment ils vivent, sur un mètre carré, donc 15% d'autres qui est consommé, en France hein, je parle, hein. Et vous avez presque 1%, à peu près 1% de bio, et tout le reste c'est des gens fermiers qui ont leurs poulets, qui sont... Je pense après je peux me tromper. I see a large barn with a lot of chicken, yeah. In a small area, and getting food to grow as fast as possible. That's the first thing that comes into my mind when you talk about poultry. Les élevages pas bois voir en batterie, comme on voit dans plein de reportages, les conditions abominables d'élevage, et puis les élevages en plein air, plus respectueux déjà des animaux et du consommateur derrière. Puis le petit élevage domestique de chaque personne que tout un chacun peut avoir. Je sais qu'il y a plusieurs sortes d'élevage déjà. Donc justement d'élevage en plein air, de choses qui se passent à l'extérieur et malheureusement des choses qui se passent vraiment à l'intérieur avec des volailles. Ma foi, qui sont très abîmées une fois qu'elles ont fini, voilà, une fois qu'on les tue, hein, voilà. Bah, tant qu'à faire, c'est la meilleure chose. Après, il n'y a pas que l'élevage. Il faut voir aussi le mode d'aliment qu'on leur donne, la qualité de ce qu'on leur donne à manger. Ah bah, je suis tout à fait pour. Hein. Si la volaille peut se promener et manger ce qu'elle veut, je trouve ça, c'est l'idéal, voilà. Les poulets, ils ont du goût. Et puis, ils sont pas déplumés, ils ne sont pas, ils ressemblent à quelque chose, quoi. Voilà. I think it's better. Yes. Yeah. I think. I like chicken to eat, but if I know that the chicken has a good life, like going outside, then I'm more happy about it. Yeah. Rien, à partir du parcours de volaille, je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais entendu parler. Donc Parcours, bah, je pense que c'est l'élevage du début, du poussin, jusqu'au moment où on tue la volaille. Mm-hmm. Ah, ça me fait un peu peur, parce que parcours, ça veut dire qu'il a fait des milliers de kilomètres. Sinon, parcours volaille raisonnable, c'est que c'est la ferme du coin qui est à 10-15 bornes à la ronde. Voilà. Bah, le mot parcours, c'est l'espace... L'espace que les volailles ont à disposition pour gambader, pour se nourrir, pour grandir. Non, je pense pas. Est-ce qu'elles peuvent se mettre elles peuvent se mettre à l'ombre, je sais pas. Je sais pas une poule vraiment réellement comment qu'est-ce qu'il lui faut dans sa vie de poule. Je sais pas. Non, je ne me suis jamais posé la question sur la qualité du parcours que devait avoir une poule. Bah, on a besoin de nous-mêmes, l'être humain, on a besoin d'arbres. Hein. Il y a la chlorophylle, il y a tous ces. On a besoin de l'oxygène de l'arbre. De toute façon, si c'est l'être humain a besoin, l'animal a besoin aussi. Hein. Voilà. Oui. Les intérêts, c'est plus en milieu naturel qu'à gauche. Puis après, je ne sais pas exactement ce qu'il peut y avoir comme intérêt particulier. L'inconvénient, c'est peut-être plus compliqué de trouver les œufs pour des poules, mais c'est tout. I think I prefer this one with trees. It seems to be more natural than without trees. If I see the chicken here, I think, well, they have a good life. And if I see them here, I don't think they have a good life. Like, for instance, there may be a shadow from the trees, and they can hide under the trees. So, for me, this is a better picture than this one. Ah bah, je préfère ce parcours-là qu'à celui-là, hein, parce que l'autre, le premier, hein, il est vraiment un peu désertique, peut-être.
Et là, on peut voir qu'éventuellement, les poulets peuvent se nourrir avec ce qu'il y a, la végétation qu'il a autour de lui, quoi. Les graines, il y a un peu d'arbres, pas énormément, mais c'est un peu diversifié, quoi. I don't know whether it's good for the chicken or not, but it's more friendly like this. I can't think for the chicken, but if the chicken stays here, he's more happier than here, I think. Tous les gens qui se posent un petit peu la question de savoir ce qu'ils mangent, bah, préfèrent imaginer un peu la poule de la grand-mère dans le champ, plutôt que les poules dans des cages ou à 30 poules au mètre carré. Ben, dans la mesure du possible, des volailles fermières. Après, c'est difficile, même en fermier, c'est difficile d'être sûr aussi de la provenance, de ce qu'il y a vraiment derrière le mot fermier. Oui, voilà, le terme fermier élevé en plein air, ça donne une indication, mais ça ne donne pas non plus une certitude sur ce qu'on achète. Même le label bio. Voilà, c'est important, c'est bien, on peut considérer que les volailles sont élevées dans de meilleures conditions. Mais bon, c'est toujours mieux que quand il n'y a rien marqué. On essaie de faire un bon rapport qualité-prix, ni trop cher, ni pas trop bon marché, on reste à la gamme moyenne, disons. On essaie de voir d'où ça vient. Voilà, si possible, manger français. Après, ça dépend du prix, si on est seul, si on est plusieurs, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Si on est 5 ou 6 à table ou si on est tout seul, c'est peut-être plus simple de prendre de la qualité quand on est seul que quand on est 5 ou 6, mais je pense que ça doit être pareil pour tout le monde. Well, I used to look at the price, but lately I also look whether the chicken has is a chicken that was able to go outside. So lately I'm my criteria is more like, did the chicken had a good life? Okay. Yeah, and but. Eh? We've got stars in the. Yeah. If the chicken had a good life, it gets 3 or 4 stars. So you can see it in the shop when you buy it. 4 stars, 4 green stars means that the chicken had a very, very good life. But the price is higher. Now we choose lately more stars and. Then more price. The price is higher, but we don't care. J'aime bien savoir comment ont été élevées les poules. Bah, je vais, si possible, je vais l'acheter chez le fermier du coin. Voilà. Et est-ce que vous feriez une différence entre des volailles élevées sur un parcours nu et des volailles élevées sur un parcours avec des arbres? Est-ce que vous seriez... Ouais, je pense qu'en tout cas, je vois très bien la différence, le goût. On voit les os, comment ils sont quand c'est des poulets de batterie ou des poulets vraiment fermiers. C'est pas là-bas. Un, ils n'ont pas le même goût. Deux, les os sont des os qui ressemblent à des os. Quoi. C'est pas du caoutchouc. C'est... Après, ça dépend ce qu'on nous demande un petit peu plus cher. C'est sûr que si on passe du simple au double ou si on passe un petit peu plus cher, ça dépend du pourcentage de différence qu'il y a entre les deux prix, je pense. Est-ce que vous avez une idée? Aucune idée. Et puis après, comme dit, les Français ont tous une bourse différente. Donc après, chacun voit midi à sa porte. C'est sûr, comme je vous disais, si on est seul à manger ou si on est deux, si on a 7 ou 8 bouches à nourrir, c'est sûr, le critère de prix, on prend en compte plus que le critère de qualité, à mon avis. Yes, I will pay more. Yeah, but how much? I don't know. No, it's difficult. Maybe 5 to 10% more, maybe 5%. Yeah. Oui, mais tout à fait. Moi, je mange pas énormément de viande. Voilà, quand je mange, je préfère payer un petit peu plus, mais me faire plaisir et avoir un achat. Je vais pas aller dire militant parce que c'est un grand mot. Mais voilà, plutôt encourager ceux qui vont dans le sens d'une agriculture respectueuse et voilà, d'une écologie respectueuse. Oui, je suis prêt à payer en me disant que c'est un peu dommage de payer plus cher, sachant que ça peut se faire de partout, à mon avis. Voilà. Mais je paye la différence de prix. Je n'achète pas un poulet à 1 euro le kilo. Merci. Sono ridotto uno straccio, per questo mi faccio anche se non mi va. Ho una pistola che langue in mezzo alle gambe che non spara mai.